bonjour bonjour bienvenue sur scooter avec la boîte on se retrouve face au tas de merde cette fois vous l'avez verrez plus sur la chaîne le moteur a serré je sais pas pourquoi je l'ai changé il y, a... il y a pas longtemps j'avais fait une petite révision dessus il y a de l'huile il y a du liquide d'enfouissement donc ça n'explique pas le serrage du moteur donc euh, la seule hypothèse est que vu qu'il a roulé au, roux, au gasoil rouge avant, ça peut peut-être expliquer, mais j'y crois moyennement. Euh, je pense plutôt que la pompe à huile elle a dû lâcher à un moment, et ce qui fait que les pistons n'ont pas été graissés du fait que la pompe était la, morte. Je pense qu'elle a dû lâcher récemment parce que je pense plutôt à part ça avait commencé à avoir des problèmes hier avec et euh, le moteur s'était déjà bloqué un coup. Et euh, mais il était reparti, il avait réussi à se débloquer et c'était reparti. Là, pour le coup, il est vraiment bloqué, bloqué le moteur. Là, il n'y a plus rien à faire. Hein. Euh, là, si je vous prends euh, le télescopique, et je vous prends au niveau du gros écrou du variateur, Bah, le moteur il tourne pas en fait. J'ai défait la distrib pour, en pensant que c'est pour être la pompe à eau ou le galet tendeur ou, ou éventuellement l'arbre la, à cam qui était bloqué et non, c'était pas ça. Les vibrations, j'ai trouvé maintenant que j'ai déposé la distrib, c'était la cour distrib qui était détendue, mais la voiture vous la verrez plus. Euh, là, j'ai commencé à démonter certains éléments, donc alternateur que je vais revendre. Euh, système de ventilo que je vais essayer de revendre et euh, la voiture vous la verrez plus je récupère tout ce qui est récupérable que je peux mettre sur l'autre, je récupère et euh, le reste la caisse elle dégage euh, bon c'est un moteur à 120 euros mais euh, il y avait pas beaucoup de kilomètres mais je pense plutôt que c'est la pompe à huile qui a dû avaler une merde ou un truc comme ça ou la pompe qui a lâché j'en sais rien c'est vrai que ce moteur là il consommait pas d'huile donc c'était la chose qui me paraissait un peu bizarre aussi mais euh, j'avais pas de pression d'huile aussi. Le témoin de pression d'huile s'affichait pas. Mais euh... Voilà. Donc euh, c'est la fin de la Virgo 2. Vous ne la verrez plus. La prochaine fois que je vous filme la voiture, bah elle sera... Je pense qu'elle sera pas... Euh, là déjà, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé le, le pare choc j'ai enlevé euh, tout ce qui est distribution. Donc il n'y a plus de courroie de distrib. Parce que je pensais que ça pouvait être lui qui était bloqué. Alors, ils l'ont serré comme un bœuf. La courroie avait déjà été faite. Mais c'était serré comme des bœufs, ça. Hein, voilà. La pompe, elle n'est pas bloquée. Euh, là, l'arbre à cam, il n'est pas bloqué. Par contre, c'est bah, là que c'est bloqué. Quoi. Donc, je pense les pistons bloqués, bloqués. J'ai enlevé l'alternateur. J'ai enlevé euh, les culbutes aussi. Il n'y a plus de culbuteurs. Hein. Il n'y a plus que les injecteurs que je vais démonter. Euh, je pense vont, je vais arriver à les vendre. Euh, voilà, donc euh, bah, finito la voiture. Je récupère ma batterie, les ampoules et tout ça. Et au revoir, et les roues aussi que je vais récupérer. Donc je vous refilmerai un coup euh, quand j'aurai tout dépouillé. Je vais là je vais, faut je prenne, euh, là, je vais pas avoir le temps de filmer. Il faut vraiment que je la désosse. Et euh, j'ai pas le temps de filmer là. Donc euh, bon, on se reprend quelques jours après. Donc la voiture est Elle commence à être bien dépouillée. J'ai trouvé pourquoi que le moteur a serré. C'est ce que j'ai retiré en huile du moteur. Je sais pas si on va bien voir. J'avais plus que ça en huile dans le moteur. À savoir que quand je tirais la jauge, ça affichait, ça me mettait sur la jauge que j'étais au max. Chose qui est normale puisque sur ce putain de moteur, il y a quatre jauges d'huile différentes, quatre longueurs différentes. C'est selon comment, sur quel véhicule il est monté. Enfin bref. Donc, les phares sont enlevés, les garde-boues sont enlevés, les barres anti-rapprochement supérieure et inférieure sont enlevées, le moteur est enlevé, euh, les feux arrière sont enlevés, les rétros sont enlevés. Dedans, c'est en cours. Feu arrière gauche, feu arrière droit, essuie-glace arrière, essuie-glace avant, gicleur. De, de la vitre avant, capot et barre de maintien de capot. Le faisceau, euh, pour le moment, il est juste posé comme ça, je le démontrerai plus tard. C'est le faisceau je je récupère. Ça peut toujours être utile, des câbles. Donc voilà. Suite au prochain épisode. Enfin, suite au, à la prochaine rush. C'est dépouillé. Emballé, oh bah c'est pesé. On n'en parle plus de la voiture sans permis verte. On devait venir la chercher. Le mec, il est venu hier. Il me fait eh bah non, moi je prends pas, c'est du plastique. Ah, tu vois, moi j'ai pas cherché midi à 14h, je l'ai découpé, direction la déchetterie.